Donc, on entame actuellement le cours de diagnostic de l'asthme chez l'enfant. Donc, l'asthme, c'est une maladie chronique la plus fréquente. Voilà. Donc, c'est une maladie chronique la plus fréquente au cours de l'enfance. Vous voyez ici que pour les nourrissons de moins de 3 ans, il y a plus que 20% des nourrissons qui sont asthmatiques. Le sifflement respiratoire, il y a presque 50% des enfants moins de 1 an qui ont déjà sifflé et seulement 20% qui vont continuer à siffler. Alors, je ne sais pas, il y a du sang. Les micros, le colom sacrine. Essayez de fermer les micros. Donc, actuellement, on parle plus de syndrome d'asthme et pas la maladie asthmatique. Puisque actuellement, on parle plus des phénotypes et ça regroupe plusieurs pathologies différentes selon le phénotype ayant en commun les symptômes cliniques qu'on trouve, c'est-à-dire le sifflement, la toux, avec aux EFR une obstruction bronchique variable, l'hétérogénéité de l'inflammation, de la présentation clinique et de réponse des traitements, ça définit les phénotypes. Ces phénotypes, ils ont des endotypes, c'est-à-dire un mécanisme physiopathe sous-jacent pour chaque phénotype. Et il y a la génétique, bien sûr, qui interfère. Il y a aussi l'environnement de l'enfant. Voilà, donc ça va définir plusieurs phénotypes d'asthme. Et bien sûr, ça va retentir sur la prise en charge de la pathologie. Actuellement, il y a beaucoup donc, de... voter dans la prise en charge de l'asthme selon le phénotype, surtout dans le palier 5 de Gina. Si on revient à la définition, j'ai un problème dans les diapos, je ne vois pas bien. Voilà. Bukina, donc si la définition. La présentation ouverte en parallèle, veuillez les fermer. Il y a un problème d'interférence. Voilà, je vois. Donc, fermez les autres présentations et ne gardez que celle que vous êtes en train de présenter. Tawa, c'est bon? Vous voyez la présentation, c'est clair? Alors, repartagez l'écran, s'il vous plaît. Je vois. Écran partagé. C'est bon? C'est bon, parfait. Et donc, on a la définition de l'asthme de l'enfant selon Gina. C'est une maladie hétérogène qui est caractérisée par une physiopathe derrière, donc essentiellement l'inflammation chronique des voies aériennes. L'asthme, il est défini par une histoire de symptômes respiratoires tels que sifflement, essoufflement, oppression thoracique et tout, qui est variable dans le temps, ça c'est important, et en intensité, c'est-à-dire on ne voit pas tous les symptômes tout le temps, ça c'est contre l'asthme, il faut qu'il y ait des périodes où il n'y a pas de symptômes. Et bien sûr, les EFR, c'est très important pour le diagnostic de l'asthme chez l'enfant, c'est-à-dire l'âge scolaire, à partir de 6 ans, les EFR qui montrent une limitation variable des débits expiratoires. Donc là, on voit très bien dans la définition l'importance pour le diagnostic positif de l'enquête clinique et l'importance des EFR. Donc le diagnostic positif, on va voir à partir de l'âge de 6 ans, il y a donc les antécédents de symptômes respiratoires, comme on l'a dit, avec le sifflement, le wheezing, la toux sèche, généralement deuxième moitié de la nuit ou au petit matin, l'essoufflement et la sensation de pression thoracique. Ce qui suggère le diagnostic de l'asthme, c'est le fait que ces symptômes s'associent entre eux, le fait qu'ils surviennent de façon variable en temps et en intensité. Parfois, il y a des accalmies, parfois on a une intensification de ces symptômes. Le fait que ça s'aggrave la nuit au réveil, donc la deuxième moitié de la nuit au réveil, s'ils sont favorisés par l'effort chez l'enfant, ça peut être le rire, le contact allergénique, l'air froid, ou ils sont déclenchés ou aggravés par les infections des voies aériennes supérieures virales. Généralement, on voit des exacerbations suite à des viroses avec atteinte des voies aériennes supérieures. Donc, vous voyez que le diagnostic positif, il est essentiellement clinique,
Et généralement, il est évident à partir de l'âge de 6 ans, si on assiste à une exacerbation qui répond au bêta 2 mimétique, c'est en faveur de l'asthme. À distance, si l'enfant il a déjà fait son exacerbation ou il a les symptômes, exacerbation, il n'a pas été assisté par un médecin, généralement, le diagnostic se repose sur l'interrogatoire, donc on va chercher ses symptômes, et sur l'examen clinique qui doit être complet avec une auscultation pulmonaire qui peut être normale au moment de l'examen à la consultation et quelques examens complémentaires qu'on va détailler tout à l'heure. Donc, quand penser à l'asthme dans l'âge scolaire, les symptômes évocateurs, on vient de les citer selon Gina, les modalités évocatrices, l'association de ces symptômes, la recrudescence nocturne, mais surtout la deuxième moitié de la nuit et le petit matin, la variation en temps en intensité et le déclenchement par c'est ce qu'on vient de dire, les infections, l'exercice, polluants, changements météorologiques, l'allergène, voilà, tous ces éléments sont en faveur du diagnostic de l'asthme chez l'enfant. L'interrogatoire, un bon interrogatoire généralement policier chez ces enfants, donc il faut insister avec les parents sur la description de l'exacerbation si ça n'a pas été assisté par le médecin. Les antécédents recherchent surtout d'atopie personnelle, c'est-à-dire eczéma surtout chez l'enfant, une rhinite, une conjonctivite. Dans la famille, ça peut être donc l'asthme, la conjonctivite, la dermatite atopique. Donc, il faut bien rechercher, mais surtout la famille, c'est-à-dire père, mère et la fratrie, surtout premier degré. La rhinite allergique, il faut bien la chercher. L'urticaire, donc atteinte cutanée, l'eczéma, un asthme dans la famille. Après, donc, il faut bien sûr à l'interrogatoire préciser les symptômes qui évoquent l'asthme, sifflement, dyspnée, toux. Elle survient quand cette toux ou cette dyspnée? Quels sont les signes intercritiques? S'il est toujours symptomatique, ça oriente vers les diagnostics différentiels. La sévérité de ces symptômes, leur fréquence, leur retentissement sur la qualité de vie de l'enfant et de sa famille, retentissement sur la croissance de l'enfant, surtout chez le nourrisson. Et bien sûr, toujours chercher les symptômes extra-respiratoires. Il faut penser que ça peut être un autre diagnostic. Donc, d'autres signes peuvent orienter vers le diagnostic différentiel. Les facteurs déclenchants de l'exacerbation, est-ce que quand il contacte un allergène particulier, il fait la crise? Est-ce qu'à l'exercice physique, à l'émotion, à l'exposition à des polluants, surtout le tabac? Et les prodromes de la crise, il y a des enfants à cet âge qui ont donc des prodromes et ils sentent venir leur exacerbation d'asthme. L'examen clinique, il doit être complet, bien sûr. Il est souvent normal en dehors des exacerbations. On voit ces enfants viennent aux consultations. L'exacerbation t'a dit à la rouha, et je me coule l'examen strictement normal. Ça n'élimine pas l'asthme. Il permet de rechercher, bien sûr, les signes de sévérité de la maladie. Bien sûr, toujours, on va regarder la croissance de l'enfant. Est-ce qu'il y a un retentissement sur la croissance? Est-ce qu'il y a une déformation thoracique, surtout le coude H, qui oriente vers la sévérité de cette maladie, surtout s'il y a un début précoce et ça évolue depuis longtemps sans un traitement de fond bien, il n'est pas bien contrôlé l'enfant, il ne prend pas son traitement bien, il n'est pas observant, donc ça peut retentir sur le développement respiratoire, pulmonaire, et ça peut donner une déformation thoracique. Bien sûr, dans les cas les plus sévères, il y a une insuffisance respiratoire chronique avec hypocratisme digital. Heureusement, on voit plus presque rarement ces signes. L'examen doit aussi rechercher les signes d'atopie. Il faut regarder la peau. Est-ce qu'il y a une peau sèche? Est-ce qu'il y a une dermatite atopique, eczéma, une rhinite? Il faut bien regarder le nez, une conjonctivite, l'inspection du thorax, donc les trois temps inspection. L'auscultation, la recherche surtout des râles sibilants, mais souvent qui me rappelle comme j'ai une consultation, mais smash les râles sibilants, ça n'élimine pas l'asthme. Il y a l'interrogatoire et d'autres signes qui évoquent. Donc le nez, c'est très important dans l'asthme. Il faut rechercher l'obstruction, les signes en faveur de rhinite, l'obstruction, est-ce qu'il y a une rhinorrhée souvent, l'éternuement, prurite nasal. Ça survient surtout chez nos malades le matin. Et ça retentit souvent sur la qualité de vie, la rhinite. Donc, généralement, il dort mal, il y a le manque de concentration, somnolent le matin. Donc, il faut bien sûr regarder le nez à la recherche de
d'hypertrophie des cornées, sinon on va demander l'avis de nos collègues ORL, un examen ORL au moins une fois pour nos malades asthmatiques, c'est très important. Les examens complémentaires, donc tout enfant asthmatique doit avoir au moins une radiographie thorax de face. Pourquoi ? On va voir ça. Bien sûr, l'exploration allergologique, elle est indiquée à partir de l'âge de 6 ans pour tout enfant parce que l'asthme allergique, il est très fréquent, plus que 80% des enfants asthmatiques sont allergiques. Et les EFR à la recherche de cette obstruction bronchique, généralement réversible. Donc, vous allez voir tout ça dans un cours des EFR, mais c'est important pour le diagnostic positif de l'asthme chez l'enfant à partir de l'âge de 6 ans. Donc, on indique trois examens complémentaires, radiothorax, exploration allergologique et les EFR. Pour la radiographie de thorax, l'idéal de faire de face en inspiration et expiration, ça nous aide à rechercher la distension thoracique, le mauvais vidange expiratoire et rechercher les signes de sévérité d'asthme. On va trouver une distension surtout localisée au niveau des sommets. Et bien sûr, le plus important, de rechercher des éléments qui nous orientent vers le diagnostic différentiel. Il y a beaucoup de diagnostics différentiels. Si on trouve des signes d'inquiétude radiologique, on va s'orienter vers un autre diagnostic. Donc là, vous voyez une radiographie de thorax chez un enfant asthmatique. On voit bien la distension. Il faut toujours compter les côtes antérieures. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 8 c'est beaucoup, plus que 6 côtes avec intersection avec le diaphragme. Donc il est distendu le malade, on voit bien que les poumons hyperclairs, c'est symétrique, il n'y a pas de signe d'inquiétude, le corps il est petit, donc ça oriente vers la distanciation que diminue le volume du corps. On voit que la trachée elle est en place, donc il n'y a pas de signe d'inquiétude, c'est une radio qui évoque un asthme, pas d'autres diagnostics différentiels. Les EFR, ça évalue le degré d'obstruction bronchique et ça fait partie des examens clés du diagnostic de suivi des maladies respiratoires chez l'enfant. Elle peut être effectuée à tout âge, mais bon, le nourrisson, ça ne se fait pas dans notre pays. Le choix des tests, ça dépend de l'âge et de la pathologie de l'enfant. Généralement, il y a des particularités pédiatriques, donc il y a des laboratoires qui font mieux ces explorations puisqu'ils sont plus adaptés avec leur personnel matériel. Donc, vous voyez qu'il faut un embout buccal adapté, il faut un personnel qui essaie d'aider l'enfant de souffler parce que ce n'est pas toujours évident. Chercher une coopération meilleure de l'enfant pour avoir une belle courbe, un environnement favorable, un personnel habitué. Voilà, donc je passe parce que vous allez avoir un cours. Il y a deux types de spiromètres, donc le spiromètre débimétrique, à partir de 6 ans. Il y a le plétismographe qu'on peut l'utiliser même à partir de l'âge de 4 ans. Il y a aussi le NO exhalé qui nous aide à mettre en évidence l'inflammation à éosinophile chez nos enfants asthmatiques. Ça se fait avant dans le laboratoire, donc Farhat Hachid de faire. Malheureusement, actuellement, il est en panne. Ça nous aide dans la prise en charge. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Donc, on va regarder l'aspect de la courbe débit-volume. C'est très important. Vous regardez ici que la courbe normale, elle est convexe. S'il y a une obstruction, déjà, vous allez avoir une obstruction avec une courbe concave. Donc, on travaille avec le Z-score ou là, avec la limite inférieure de la normale. Donc, la forme de courbe est concave, c'est en faveur du syndrome obstructif. Elle est là. VMS sur capacité vitale lente inférieure à la limite inférieure de la normale, c'est en faveur de cette obstruction. Ou le Z-score actuellement avec le nouveau programme inférieur à moins 1,64. Généralement, on ne se contente pas si on a une clinique qui évoque l'asthme. Si on trouve les EFR sont normales, il faut penser à la recherche de l'hyperréactivité bronchique. Donc, on complète par l'étude de la réactivité bronchique, par le test à la méthacholine. Ils sont indiqués quand? S'il y a une toux chronique sans sibilant
chez l'enfant et c'est, ça peut être un équivalent de l'asthme. Si le diagnostic d'asthme il est douteux avec des symptômes atypiques et parfois pour évaluer la réponse au traitement, on indique la recherche de l'hyperréactivité bronchique, c'est-à-dire les explorations fonctionnelles respiratoires. Donc l'intérêt des EFR chez l'enfant asthmatique, ça aide au diagnostic de l'asthme. Mais bien sûr, dès que tu m'as parlé à l'exacerbation, ou maintenant je m'ouvre les EFR rapidement, ça doit pas tarder le début de traitement. Il faut mettre l'enfant sous traitement de fond. Les EFR peuvent évaluer la gravité de l'asthme, donc حسب les débits ou حسب le courbe de l'asthme. Est-ce que notre asthme il est sévère, modéré, léger? Ça détecte une obstruction bronchique non perçue. Ça permet de détecter une exacerbation. Ça évalue l'enfant sous traitement. Généralement, si on met nos enfants sous traitement, il est qu'un asthme modéré à sévère, on le contrôle tous les 6 mois. Il est qu'un bien contrôler l'enfant, on a ou les EFR, on a pour voir la fonction respiratoire, est-ce qu'il s'améliore ou non, pour voir le contrôle de l'asthme aussi à travers les volumes et les débits respiratoires de les EFR. Et ça évalue le pronostic de l'histoire naturelle de l'asthme. Voilà, ça pour les EFR. L'exploration allergologique, comme on l'a dit, l'asthme d'origine allergique, plus que 80% chez l'enfant, donc c'est très fréquent, ce qui indique l'enquête allergologique chez tout enfant de plus de 6 ans s'il est asthmatique. Donc, on va chercher les signes de sensibilisation par les prick tests, l'idéal, donc de faire les tests cutanés par les prick tests, et ou si on ne peut pas faire les tests cutanés, il y a les IgE spécifiques. Pour les autres examens, les IgE totaux, l'hyperéosinophilie, ils ne donnent pas des stigmates donc de sensibilisation. C'est plutôt un signe en faveur de l'atopie. Actuellement, les IgE totaux, ils sont en traitement pour les asthmes sévères allergiques, mais dans un cadre particulier, l'asthme sévère, la prise en charge palier 5 chez l'enfant, et ce n'est pas le cas pour le diagnostic. Donc, il faut savoir aussi que les IgE, il faut bien les interpréter selon l'âge. Vous voyez ici que les valeurs diffèrent. Je trouve tous les noms qui fichent les valeurs à 2. Chez l'adulte et le grand enfant, il arrive jusqu'à 32. Donc, à interpréter selon l'âge, bien sûr, il y a des normes. Pour les tests multi-allergéniques de dépistage, les principaux tests qui existent, donc le FADIATOP, TROFATOP, qui explore les trophallergènes, les RAST. En fait, ça donne une idée sur l'atopie, c'est tout. Ils sont inutiles, sauf si atopie évidente, ce n'est pas la peine de les faire. En plus, l'interprétation, elle est très délicate et elle est purement qualitative. Il y a beaucoup de faux négatifs et positifs aussi. Donc, je ne vous encourage pas de les faire. Il faut surtout rechercher l'identification de l'allergène, donc rechercher la sensibilisation, l'interrogatoire bchiaouna, les tests cutanés, les IgE spécifiques et de quel management les tests cutanés et bien sûr le test de provocation orale, ça nous permet de mettre le diagnostic. Donc l'interrogatoire, si on fait un bon interrogatoire, donc les circonstances et modes de début de symptômes, ça oriente vers l'allergène. Le caractère, est-ce qu'il est perannuel, donc pendant toute l'année, ça oriente vers les acariens, surtout à l'enchufum actrandissar, ou la saisonnier, faire bien, donc ça peut orienter vers les pollens, les graminées, donc ça dépend de la saison. Les circonstances de déclenchement, l'exacerbation, généralement les acariens, ils peuvent comme acteur filir, donc chambre, donc ça évoque et c'est généralement perannuel, donc ça oriente, mais l'interrogatoire, acteur filir acariens. Donc, c'est un élément d'orientation important, l'interrogatoire. Après, pour confirmer la sensibilisation de l'enfant, qu'il est sensibilisé à un tel allergène, il faut faire les prick tests. Donc, les prick tests, ils sont avantageux, peu douloureux, rapides, simples à faire. Vous allez faire des ateliers, comme je disais, vous pouvez faire. Il y a de nombreux tests qu'on peut faire à la fois et on dispose actuellement de plusieurs extraits allergéniques qui sont stables. Donc, prick to prick, on va piquer dedans et après on fait tourner un peu.
Stellerpont, voilà. Désolée, merci Madame Bouspara. Donc voilà, vous allez voir tout ça dans un atelier qui va se faire. Après, donc, ça se fait où ? La face antérieure de l'avant-bras. Sur une peau saine, bien sûr, il faut examiner la peau de l'enfant, désinfecter avant, déposer l'allergène, piquer à travers l'extrait sans faire saigner. Et la lecture se fait généralement 10 à 15 minutes après. Donc voilà, généralement on fait un témoin positif à l'histamine ou à la phosphate de codéine et un témoin négatif, une photophysiole ou autre chose. Donc pour tester qu'il n'y a pas de dermographisme chez l'enfant, l'interprétation donc, repose surtout sur la triade de Lewis, le papule, on va voir l'érythème et on compare bien sûr érythème, papule et prurite. On trouve le diamètre de la papule. La taille doit être supérieure ou égale à 3 mm par rapport au témoin négatif et supérieure à 50% du témoin positif. Et le test il est positif à un tel allergène. Voilà. Les facteurs qui influencent les prix test, l'expérience bien sûr de médecin, la qualité de l'extrait. On dispose d'extraits qui sont bien fait actuellement, et les médicaments, donc il faut se méfier. Il faut que l'enfant, bien sûr, et dès qu'il est sous dermocorticoïdes, mais je n'ai pas le test cutané à la peau, il ne faut pas qu'il prenne les antihistaminiques avant la période ou le corticoïde oral. Donc, ça doit être à distance d'une poussée évolutive. Par exemple, il y a une allergie saisonnière, et sur une peau qui a une réactivité normale, on doit bien regarder la peau. Est-ce qu'on a un dermographisme ou l'élève? Sinon, on a un dermographisme. Notre peau, les IgE, plutôt, les IgE spécifiques. Les courtes cures de corticoïdes orales, les bêta-2-mimétiques ou la théophylline, on a une taille de papier. C'est vrai qu'on peut le faire, mais on a une taille de papier. Donc, si on a un corticoïde oral, on a une نعملو en dehors de la prise de corticoïdes oral. Les traitements inhalés, on n'arrête pas, on peut faire les tests cutanés où le malade il est sous corticoïdes inhalés. La désensibilisation aussi, ça peut diminuer la taille des tests. Conditions de réalisation, bien sûr, il faut avoir une trousse d'urgence à côté si on va faire les tests cutanés, faire l'adrénaline, corticoïdes injectables, antihistaminiques et matériel de perfusion de réanimation. Pour le dosage des IgE spécifiques, il est indiqué s'il y a discordance entre la clinique et test cutané. Si on ne peut pas faire les tests cutanés, il y a une dermatose évolutive, le malade il a un dermographisme, il a une aréactivité cutanée. Il y a quelques malades qui sont comme ça. Les IgE spécifiques. Pas de limite d'âge pour le dosage des IgE spécifiques. La technique qui est validée, CAP système pharmacien, qui a une bonne sensibilité et spécificité. Donc, si on récapitule, pour confirmer l'origine allergique de l'asthme, en première ligne, la clinique, l'interrogatoire, les tests cutanés après, et puis les IgE si on ne peut pas faire les tests cutanés. Pour l'asthme chez l'enfant d'âge scolaire, plus que 6 ans, si on va parler de l'âge préscolaire, je m'arrête à l'âge préscolaire, les anglo-saxons, Gina actuellement, préscolaire inférieur à 6 ans. Je te parle, Gina, les recommandations du traitement, les paliers, inférieur à 6 ans, supérieur à 6 ans. Les francophones, avant 3 ans, la scolarisation se fait maternelle, il y a 3 ans. Mais tout le monde, plutôt, ils sont d'abord les anglo-saxons, donc on parle de l'âge préscolaire inférieur à 6 ans. Pour les francophones, la définition de l'asthme chez l'âge préscolaire, c'est le fait que l'enfant présente 3 épisodes de dyspnée sifflante, il est âgé de moins de 3 ans. À partir de là, quelle que soit la cause déclenchante, quel que soit le mode de début ou la waqtech, l'âge de début, l'existence ou non d'atopie, on parle d'asthme. Bien sûr, ces épisodes de sifflement doivent être discontinus avec des périodes asymptomatiques, sinon on tend vers le diagnostic différentiel, si l'enfant il est toujours symptomatique. Donc, 3 épisodes de dyspnée sifflante, inférieur à 3 ans, les Français, depuis 2009, c'est ça la définition de l'asthme du nourrisson. Pour les anglophones, donc, ils parlent de diagnostic de l'asthme chez l'enfant d'âge préscolaire, de 1 à 5 ans, ayant des symptômes de type asthmatique fréquent, il fait beaucoup de signes qui évoquent l'asthme, donc plus que 8 jours par mois,
ou des exacerbations récurrentes, plus que deux. Le diagnostic nécessite une documentation objective de signes cliniques, soit avec un compte-rendu parental, entre les parents, l'interrogatoire, et des éléments qui sont clairs, avec les symptômes qui évoquent l'asthme, ou là, il a été assisté par un médecin, les signes d'obstruction, une exacerbation qui a été assistée par un médecin. Ainsi, bien sûr, s'il n'y a pas d'autres diagnostics qui sont évoqués, donc, ainsi que l'absence de suspicion de tout autre diagnostic différentiel. Gina, donc, à part de l'âge préscolaire de moins de 6 ans, chez l'enfant ayant des symptômes de type asthmatique fréquent ou des exacerbations récurrentes, plus que deux. Donc, les symptômes sont essentiellement la toux, le sifflement, la dyspnée, la diminution de l'activité physique, donc gêne à l'effort, l'histoire d'atopie et le fait que l'enfant répond au traitement. Donc, je récapitule en français, la toux récurrente ou persistante, sèche, nocturne, avec dyspnée et wheezing en dehors des infections des voies aériennes supérieures, la toux à l'effort, rire, cri ou exposition au tabac, les exacerbations après une séquence de rhinite ou sifflement lors des infections de voies aériennes supérieures, les sifflements récidivants, la gêne à l'effort, l'histoire d'atopie familiale chez les parents, asthme, rhinite allergique, dermatite atopique, et le fait que l'enfant il répond à un traitement par corticoïde inhalé. Donc, si on trouve ces symptômes, on n'a pas des signes d'inquiétude qui nous orientent vers d'autres diagnostics différentiels, il faut commencer le traitement par corticoïde inhalé. Et si l'enfant il s'améliore, c'est un élément de plus en faveur du diagnostic de l'asthme. Donc, quels sont les défis diagnostiques de l'asthme préscolaire? Généralement, donc, chez l'enfant de moins de 6 ans qui présente des symptômes de toux, de sifflement, ce n'est pas facile. Il faut, bien sûr, c'est indispensable de repérer les enfants qui n'ont pas de l'asthme. On va chercher les éléments qui orientent vers les diagnostics différentiels. Repérer les enfants qui vont réellement bénéficier d'un traitement anti-asthmatique. Donc, si l'enfant il présente des épisodes récurrents, qui sont généralement habituellement viro-induits à cet âge, il faut décider quand cette symptomatologie correspond au début d'un asthme. C'est pas facile. Mais c'est une question de c'est un asthme, c'est pas de l'asthme. Bien sûr, là, le traitement, il faut mettre l'enfant sous traitement et on va voir l'évolution. S'il y a de l'atopie dans la famille, c'est un élément en faveur. Il y a beaucoup d'éléments qui nous orientent vers l'asthme. Oui, bien sûr, il y a la classification des phénotypes qui va nous aider. Il y a les viraux induits qui sont fréquents à cette tranche d'âge. S'il y a de l'atopie, c'est en faveur d'un asthme allergique. Donc, un nourrisson siffleur, il y a trois phénotypes. Il y a les siffleurs viraux induits avec un asthme généralement léger qui sont contrôlés par des faibles doses de corticoïdes. Généralement, l'évolution elle est bonne, mais le premier groupe. Un deuxième groupe où les sifflements sont récurrents et sévères, il y en a beaucoup d'exacerbations. Il n'y a pas de l'atopie, ça survient surtout chez la fille. C'est souvent corticorésistant et là, on s'intéresse aux antileucotriènes, ça peut donner des résultats efficaces chez ces enfants. Il y a aussi le groupe de siffleurs récurrents de causes multiples liées à un phénotype atopique. On trouve l'atopie dans la famille, de l'eczéma chez l'enfant. C'est plus fréquent chez le garçon et c'est souvent, ils font beaucoup d'exacerbations et c'est un asthme qui est corticosensible. Donc, je trouve tranche d'âge, je dis déjà, femme à trois groupes et trois phénotypes et chaque phénotype, un traitement particulier et une évolution particulière. Donc, quels sont les facteurs qui vont prédire de la persistance de l'asthme si on fait un sifflement récidivant au jeune âge? C'est l'exposition au tabac dans la petite enfance, la sensibilisation allergénique précoce, le fait que l'enfant il est allergique aux pneumoallergènes avant l'âge de 3 ans déjà, le fait qu'il a présenté une allergie alimentaire, l'atopie parentale, l'obstruction bronchique, si on peut faire les EFR, et la fréquence élevée, maintenant la sévérité du tableau clinique, il est toujours symptomatique dans la petite enfance, donc ça prédit la persistance de l'asthme chez cet enfant. Très souvent, on se pose la question entre les parents, est-ce que vous dites que je suis pas asthmatique à tout? Donc déjà, le médecin, s'il trouve un de ces éléments, il a une idée que c'est un enfant plutôt qui va développer un asthme à l'âge adulte, donc quand il est plus grand. Donc,
l'intérêt de bien suivre le malade et d'insister sur le traitement de fond, l'observance de cet enfant. Donc, vous voyez que l'histoire de l'asthme chez l'enfant, elle est complexe et chaque enfant, il est particulier. Quoi. Chaque enfant, il a son phénotype et c'est particulier. Statistiquement, le risque de symptômes persistants à l'âge adulte est moins élevé chez les enfants qui ont un asthme précoce viro-induit. Donc, généralement, il y a plus tardivement. Pour beaucoup d'enfants, l'apparente disparition des symptômes avec la croissance, pré-adolescence généralement est farado, n'est en effet qu'une rémission qui masque un risque de rechute plusieurs années plus tard. Il y a des enfants qui ont rechuté à l'âge adulte. L'atopie et l'hyperréactivité bronchique sont les deux principaux facteurs associés à la fois au risque de persistance et au risque de rechute. Si on trouve l'atopie chez l'enfant, donc c'est en faveur de la persistance de l'asthme. L'hyperréactivité bronchique des EFR, c'est un élément de persistance aussi. Voilà, donc l'atopie, les critères majeurs, donc l'antécédent d'asthme des parents, les parents qui ont le parent, c'est le père ou la mère. Eczéma chez l'enfant diagnostiqué par un médecin, bien sûr. Le fait qu'il est sensibilisé à un ou plusieurs pneumoallergènes, donc c'est un enfant qui a de l'atopie, qui risque donc son asthme de persister. Les critères mineurs, c'est le fait qu'il est sensibilisé au lait de vache, une petite enfance, à l'œuf, à l'arachide, le sifflement en dehors des viroses et une hyperéosinophilie. Donc, il y a un score MAPI qui prédit est-ce que l'enfant donc, va persister son asthme ou non. Il est positif si un critère majeur, on trouve un seul critère majeur ou deux critères mineurs. Donc là, c'est le schéma que propose Gina pour le diagnostic de l'asthme. Un enfant avec symptômes respiratoires typiques d'asthme, oui. Donc, l'histoire de la maladie et examen clinique sont en faveur de l'asthme. On fait le EFR si c'est possible, bien sûr, à partir de l'âge de 4-5 ans, selon les laboratoires. L'expérimenté, il n'a jamais eu 4 ans et demi, il fait bléthysmographe. Si ça se confirme, donc, on commence le traitement anti-asthmatique. Sinon, si les symptômes ne sont pas typiques de l'asthme, bien sûr, on cherche d'autres signes qui évoquent les autres diagnostics différentiels et on demande des explorations qui sont guidées par ces signes. Si oui, donc on va traiter le diagnostic retrouvé. Sinon, on revient donc en autre exploration plus poussée pour rechercher le diagnostic de l'asthme et discuter le traitement. Donc, on peut commencer le traitement comme donc un test thérapeutique. On regarde après 3 mois. Traitement d'épreuve, corticoïde, évaluer la réponse après 3 mois. Les diagnostics différentiels, donc, c'est pas de l'asthme, on s'inquiète. Il faut chercher ces signes d'inquiétude pour rechercher d'autres diagnostics différentiels, soit des signes cliniques, soit radiologiques, soit le fait que l'enfant il prend un traitement bien conduit, avec une bonne observance. Il n'y a pas de réponse, il faut corticoïde inhalé, des bonnes doses avec un pari correct pour la sévérité, mais l'enfant ne s'améliore pas. Il faut se poser des questions, peut-être que ce n'est pas de l'asthme. Donc, un nourrisson siffleur ou un enfant, on fait une radio de thorax qui m'apprend à chaque enfant doit avoir au moins une radio dans son dossier pour rechercher des signes d'inquiétude radiologique. On va chercher aussi les signes d'inquiétude clinique. Et dès qu'elle m'affamèche les signes d'inquiétude clinique ni radiologique, c'est un asthme. Il faut commencer le traitement. Après, on va voir si c'est efficace. Le diagnostic est compatible. S'il n'est pas efficace, il faut bien sûr après vérifier l'observance, la technique d'inhalation. Il faut chercher d'autres diagnostics différentiels si l'enfant ne répond pas à un traitement bien conduit. Donc, qu'est-ce qui met en doute le diagnostic d'asthme? Le fait que les symptômes respiratoires sont persistants à la tour. Donc, le FMH, des épisodes où il va bien, l'enfant, il faut quand même des épisodes où l'enfant il ne présente pas des symptômes. Le fait qu'il y a un encombrement, il faut se poser des questions, s'orienter vers d'autres diagnostics différentiels. Encombrement chronique s'oriente vers les DDB, les dyskinésies ciliaires, la mycoviscidose, donc il faut se méfier. La chronologie de symptômes, le fait que ça commence brutalement, ça oriente plus vers les pathologies accidentelles, le corps étranger. Il n'y a pas de corrélation évidente avec les infections des voies aériennes supérieures. Les signes non respiratoires, il faut les rechercher. Un douche diarrhée chronique associée, la mèche cassure de la courbe de croissance, la mèche des vomissements chroniques, ça oriente vers d'autres diagnostics différentiels.
les antécédents, s'il a une pathologie néonatale, une hospitalisation en néonat, une oxygénothérapie longue durée, donc ça oriente vers la dysplasie bronchopulmonaire, pas de l'asthme. Le traitement, s'il y a une inefficacité de traitement anti-asthmatique, ça nous oriente vers d'autres diagnostics différentiels. Les signes cliniques d'inquiétude, donc les cassure de courbe de croissance, début néonatal, précoce, association à des vomissements, le fait que les symptômes sont continus sans période d'accalmie, pas d'amélioration sous traitement d'enfant, survenue des infections des voies aériennes supérieures, signes associés cardiovasculaires, pneumologiques localisés, ça oriente vers d'autres étiologies. L'hypoxie qui persiste, l'hypocratisme digital, le fait que c'est sévère, ça inquiète. Les signes radiologiques d'inquiétude, le fait qu'il y a par exemple une asymétrie de la transparence, un syndrome interstitiel, un situs inversus, trouble de la ventilation, tout ça c'est inquiétant, donc il faut se poser des questions. Vous voyez ici par exemple l'asymétrie de transparence, il y a des syncones étrangers, les nez qui font la symétrie, la tumeur qui stigmate, donc il faut se méfier, c'est un signe d'inquiétude. Là, vous voyez cette opacité qui traîne, donc c'est une tuberculose. Là, il y a une distension importante du côté droit qui pousse le corps où le médiastin colle du côté gauche. C'est un emphysème lobaire congénital et on fait le diagnostic par le scanner. Donc voilà, sinon si l'enfant il est sous traitement, il n'est pas contrôlé depuis 3 mois, bien sûr, dimanche, l'observance. Une chauffe qui fait chier de douer, donc est-ce que la technique elle est bonne, est-ce que l'environnement il est bien contrôlé, si tout ça c'est ok, il faut se poser des questions à diagnostic, peut-être c'est pas de l'asthme, ça peut être un diagnostic différentiel. Les principaux diagnostics différentiels qui peuvent se poser avec l'asthme, ça peut être une obstruction dynamique, donc les malacies, trachéomalacies, bronchomalacies, ça peut être une obstruction organique, intrinsèque, comme les sténoses, voies aériennes ou la corps étranger acquis, donc corps étranger chez l'enfant, on voit beaucoup. Ça peut être extrinsèque, donc congénital, comme les malformations, l'anomalie des arcs aortiques, piste bronchogénique qui peut comprimer, donc la branche des adénopathies, tout ça, ça peut donner des sifflements récidivants qui peuvent miner l'asthme. Les autres pathologies obstructives qui peuvent donner des symptômes qui évoquent l'asthme, comme la dysplasie bronchopulmonaire, histoire de période néonatale, la mycoviscidose, la dyskinésie ciliaire, l'encombrement, les séquelles de virose, un épisode d'infection virale avec la sévérité des symptômes qui est très importante, mais corticoïde, une cardiopathie, les malformations, les troubles de déglutition. Ça peut donner des sifflements et une dyspnée qui peut miner l'asthme. Donc, les examens complémentaires utiles si on suspecte une pathologie, donc bien, guider l'examen complémentaire, un scanner si on doute sur une malformation ou une pneumopathie interstitielle, une mycoviscidose, l'endoscopie bronchique si on discute le corps étranger, la biopsie ciliaire si on discute la dyskinésie ciliaire, test de la sueur si on doute sur une mycoviscidose, immunité humorale si on doute sur le déficit immunitaire. Donc, dis-moi les indications selon les signes qui évoquent le diagnostic. C'est de l'asthme, on met sous traitement, on n'a pas de signe d'inquiétude clinique ou radiologique, on commence le traitement de fond. Il y a un petit peu sous traitement de fond, là où je les signe qui évoquent des examens complémentaires selon l'orientation. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels, donc DDD, corps étranger, dyskinésie des cordes vocales, pathologie ORL. Donc l'asthme de l'enfant, la première étape, c'est confirmer le diagnostic. On a vu donc, comment on confirme le diagnostic entre le grand enfant de l'âge préscolaire. Deuxième étape, bien sûr, on va évaluer la fréquence de symptômes ou une autre notion de contrôle, Dr Salma Ben Amr, pour bien sûr prescrire un traitement selon les paliers de Gina. Voilà, donc rapidement, j'espère que c'était clair. Rapidement, on passe à 2 cas cliniques. Arash Tasmaoufia? Oui. Je ne vois rien que mes diapos. Arash Adesh? Oui, oui. On vous entend très bien. On vous entend très bien, oui.
Ok, j'espère que c'était clair. Ça va, on ne voit plus les dépôts. D'accord. Je reviens au diapo. Donc, on va voir deux cas cliniques. Donc, ça va être interactif. Donc, Dora, âgée de 6 ans, elle présente une toux chronique. Elle vient vous consulter. Elle est toujours malade. Dans ses antécédents, pas de consanguinité. Elle est née à terme, pas d'histoire néonatale. Depuis l'âge de 6 mois, elle présente des épisodes de sifflement, des bronchiolites récidivantes d'après les parents. Et elle a en plus une toux chronique nocturne et diurne, les deux, récemment productive le matin. Et elle fait beaucoup d'infections respiratoires, hautes et basses, ORL, pulmonaires, récidivantes. Elle est toujours sous antibiotiques d'après les parents. À l'examen, vous avez trouvé un enfant eutrophique pour l'âge. Elle est polypnéique avec un léger tirage sous-costal. L'adéral sibilant et décrépitant aux deux champs pulmonaires. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle serait votre conduite à tenir? Je me réponds. Elle a 6 ans. Est-ce qu'il y a des signes d'inquiétude? Est-ce que c'est de l'asthme? Est-ce que c'est de l'asthme pour vous? Est-ce qu'il y a des signes d'inquiétude clinique ou la Hatchin? Oui, il y a des signes d'inquiétude. Oui, bien. Ah, je nomme les signes d'inquiétude. Est-ce que tu peux dire que c'est de l'asthme? Non, non, parce que là, elle est toujours malade. Elle a présenté des infections respiratoires récidivantes. Oui. Et elle a une symptomatologie traînante. Voilà, et il n'y a pas de période où elle va bien. Donc, apparemment, elle est toujours malade. Et en plus, la toux, d'après toi, Shmuraïk fait la toux. La toux, ça évoque pas. Elle est grasse. Elle est grasse, elle est nocturne, diurne. Elle est grasse. Voilà. Elle n'a jamais fait de radiographie thoracique. Oui, donc vous allez demander la radio, Shmuraïk, on fait radio. Est-ce qu'il y a des signes d'inquiétude radiologique ou là, c'est OK, c'est de l'asthme? Pas de signes d'inquiétude. Il y a quand même un emphysème, les sommets. Oui, au niveau donc très distendu, les sommets, ça quand même inquiète un peu. C'est l'asthme, généralement, on ne voit pas ça. Apparemment, quelque chose qui traîne. Ça complète. Donc, généralement, à cet âge, un enfant, il est quand même un ramouf. L'asthme, à partir de 6 ans, je note le radio, EFR, qu'est-ce que tu as mis? Vous êtes d'accord? Donc, Tlabna EFR, voilà, l'EFR, elle montre, c'est vrai, la courbe concave, mais il y a bipolaire, donc un syndrome obstructif et restrictif. Et ça inquiète, donc c'est pas une courbe, donc syndrome obstructif bipolaire. Ça n'évoque pas l'asthme. Là, les tests cutanés qui sont négatifs. Qu'est-ce que vous allez faire comme prochaine étape? On complète par une imagerie, un scanner thoracique. Oui, très bien. Donc, quels sont les diagnostics ultramoufiants? Malformatif, peut-être? Des scanners. Il y a un scanner, il y a une bande d'hétérectasie. Bon, il y a la qualité de l'image, mais je n'aurai pas. Il y a des images de DDB. Oui, très bien. Comme un syndrome interstitiel. Bon, des images de DDB, peut-être, mais je vois. Donc, femme a des images de DDB, femme a la hétérectasie. En fait, cette patiente, c'est une dyskinésie ciliaire primitive. Mm. Bab qui a mal à l'interrogatoire, il y a des antécédents familiaux de DDB chez un oncle aussi. C'est un enfant qui fait des bronchopathies chroniques avec otite et amalbarche des infections ORL, ça évoque la dyskinésie ciliaire. Pour cet enfant, elle a eu l'anneau nasal qui était en faveur de cette maladie. Donc voilà comme quoi il faut se méfier des signes d'inquiétude clinique et radiologique qui évoquent d'autres diagnostics différentiels. Donc, je passe à un deuxième cas et le dernier. Donc, Ayman, 4 ans et demi. C'est le dernier. Bien. Oui. Rauda. Oui.
اسمعني قلت لك يا ان تيرم كي ميديرانج في البرومير كاس سي لي برونكيولي بريسيديفان. Oui, d'après les parents, ils disent qu'elle est toujours malade. Et en fait, on commence à leur expliquer que la bronchiolite, c'est un seul épisode. Oui. Déjà, on les familiarise avec ça. Et que on parle plutôt de sifflement récidivant, beaucoup plus que bronchiolite. Oui. Maintenant, nous avons un bad luck à sifflement, mais c'était rapporté comme ça. Oui. Vous avez raison. Donc, on passe au deuxième cas, le cas d'un enfant âgé de 4 ans et demi, Ayman, tout sèche, surtout nocturne, depuis 3 mois. Et il a une toux à l'effort. Ça résiste, cette toux, au traitement. C'est tout, il n'a pas fait d'autre chose. Il est né à terme, pas d'hospitalisation. Il fait des rhinopharyngites et des bronchites, d'après les parents. La mère, elle est allergique, donc il y a de l'atopie, rhinite allergique, pas d'antécédents familiaux particuliers. Et le père, il a un tabagisme passif, il est tabagique. Donc il y a la notion de tabagisme passif. L'examen clinique, il est eutrophique, il est eupnéique, ortalgique comme consultation. L'examen ORL normal, l'auscultation cardio-pulmonaire, vous n'avez rien entendu, pas de sibilant. Le thorax, il est normal, pas de déformation. Le reste de l'examen, il est normal. Donc, au total, c'est un garçon âgé de 4 ans et demi. Il a des antécédents d'atopie. Voilà. La mère, elle a une rhinite allergique. Tabagisme passif, le père, il est tabagique. Il a une toux chronique qui résiste au traitement. L'examen, il est normal. Et vous avez demandé une radiographie de thorax qui est normale. C'est un asthme, ça peut être un asthme. Donc, ça peut être un asthme. Quelle serait votre conduite? On peut compléter par l'EFR. Bon, et de quel maintenant je mouche dans l'EFR? Arbasnin ou Amro? Test cutané. Est-ce que les prix sont systématiques à cet âge, 4 ans? Supérieur à 6 ans. IgE. معليش اي جي هما كيف كيف احنا قلنا يا نعملوا تيست كوتاني يا لي زي جي 4 ans et demi on peut faire les tests cutanés. Oui, ben nage mon âme. Surtout que femme à la rhinite allergique chez la mère. Oui, il y a une atopie chez un parent. Nage mon âme. Oui. Plétismographie. Si c'est si possible. Mais dès qu'elle m'a dit que je m'en fais un peu de plétismographie ou un petit fille, là ça me fait mes chouniens de plétismographie. Traitement d'épreuve. On peut commencer par un traitement d'épreuve. Allez, vous avez beaucoup d'éléments en faveur de l'asthme. Il n'y a pas de signe d'inquiétude. Oui. Radio normale, la clinique, ma femme a pas de chose qui inquiète, l'examen de ma femme a pas de chose qui inquiète. Donc, on peut commencer un traitement de fond par corticoïdes inhalés et faible dose, puisque ce n'est pas très sévère. On regarde l'évolution après 3 mois. Les tests cutanés qui se mettent comme Tarki, on dirait que comme dans vos têtes, il y a un âge particulier. En fait, il n'y a pas d'âge, on peut les faire à n'importe quel moment. Imagine si elle vous a fait hésiter par sa question, c'est pour vous dire que ce n'est pas disponible partout. Et donc, est-ce que c'est obligatoire pour le diagnostic, avec Ajora, on a pu aller ultérieurement. Est-ce que c'est obligatoire de dire, voilà, cette personne, cet enfant-là, il est plutôt atopique ou il est plutôt non atopique, vu MV. Mais les tests, Maham, sont disponibles partout. Est-ce que vous l'amenez à faire le test dans un centre où il y en a ou pas? Mais sinon, il n'y a pas, de problème à les faire à n'importe quel âge. Et quand elle vous dit EFR, Z-adjectif, ça dépend de l'âge. On ne peut pas malheureusement le faire avant 5-6 ans. Donc, vous voyez que finalement, on se retrouve avec, on peut faire une radio sans problème. Les tests cutanés, il y a un centre qui peut les faire. Et les EFR, il y a un âge qui le permet. Voilà. Oui, je crois que c'est un IGN. Les tests cutanés, bon, inférieur à 3 ans, ça dépend, il y a des indications. Avec, on va les voir dans un autre cours. Donc, pour notre malade, puisqu'on peut faire les EFR à cet âge, d'ailleurs, c'est en panne malheureusement,
Donc, on a fait les EFR, courbe débit volume, résistance qui était normale. Donc, les EFR normales, les tests cutanés, bien sûr, on peut les faire à cet âge, ils sont négatifs. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est de l'AS? C'est de l'asthme, on commence un traitement de fond. Hein, évaluer après le traitement de fond. Je suis d'accord, mais il est que votre centre Z, il dispose, mais l'asthme, tout le bout à la recherche de l'hyperréactivité bronchique. Des EFR normales, les indications, les hyperréactivités bronchiques, test de provocation, il y a tout chronique. Notre malade, il a une toux chronique. Donc, on peut faire le test de provocation à la métacoline. Bon, aussi, le laboratoire, il nous a fait l'anneau exhalé, qui était aussi élevé. C'est en faveur d'une inflammation éosinophile. Et il y a une hyperréactivité bronchique à 300. Donc, c'était en faveur de l'asthme. Et le malade, il a été mis sous traitement de fond. D'ailleurs, maintenant, conduite, on met sous traitement de fond et on évalue après 3 mois. Si le malade s'améliore, c'est en faveur du diagnostic. Voilà, j'espère que c'était clair.